Merci. On est devant le kiosque de Harry. Harry encore qui continue sa percée phénoménale dans le monde de la production. La Alexa a pris le marché d'un bord et de l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Alexa à Montréal, justement, sur toutes sortes de séries. On a vu des images de la série Game of Thrones qui commence le 17 à HBO, qui a été tournée avec la Alexa. Il y a beaucoup de tournages d'Alexa à Montréal. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une Alexa qui est modulaire. Dans le fond, ça reprend un peu ce que Red font de leur côté avec la gamme DSMC. Donc, c'est une Ari. Tu peux séparer le back recorder de l'avant avec le capteur, avec un fil entre les deux. Sinon, ce qui est impressionnant de voir, c'est toute la série d'accessoires, évidemment, venant d'une compagnie qui est dans le cinéma depuis très, très, très longtemps et qui font des produits tellement robustes que vous allez voir une caméra qui a eu un gros accident. Ici, on a une Ari Alexa qui a survécu à un feu. En fait, elle était dans le camion caméra pour une série télé qui s'appelle Brothers and Sisters. Puis ça a l'air qu'il y aurait eu un défaut avec la batterie, le feu a pogné dans la batterie. La caméra a brûlé, elle est assez calcinée. Puis finalement, quand ils ont réussi à éteindre le feu, ils ont sorti la caméra, ils ont rebranché les fils, ils l'ont allumée, puis elle marchait encore. Alors, Ari, qui est reconnu pour des dizaines et des dizaines d'années dans leur historique de produits cinéma, on voit ici la robustesse des produits d'Ari.